Eh bien bonjour, j'espère que la semaine a été bonne de votre côté. Nous, elle a été fort chargée puisqu'on est revenu ce week-end du Salon du Livre de Monaco avec 25 auteurs et qu'on a passé un très bon moment tous ensemble, comme d'habitude, la force et la joie du réseau de rencontres des auteurs francophones. Alors, place maintenant à la suite. La suite, c'est le 23 mars, le Festival des auteurs francophones en Malaisie, puis suivra en avril New York et puis en septembre, pour la première fois, la côte ouest avec la Roya. San Diego, d'ailleurs, les dossiers sont déjà prêts pour la Roya. Donc, si vous êtes intéressé à nous rejoindre, eh bien, il vous suffit de faire la demande sur le site. Quelques bonnes nouvelles à présent pour nos auteurs. Alors, d'abord, une double page dans Gala pour Éric Chacour avec son livre « Ce que je sais de toi », ce petit bijou nettement primé, puisque Éric est considéré comme l'auteur le plus primé de l'année. C'est dans Gala, il y a deux pages pour connaître un peu plus du parcours et de la vie de cet auteur qui a signé un premier livre juste inoubliable. Abdelkrim Seyfi, je vous en ai longuement parlé aussi de ce livre, petit bijou aussi sur une histoire qui est celle de sa famille. Et ce livre a reçu le prix L'Oriental 2024, L'Oriental comme la ville de l'Orient, donc pour « Si j'avais un franc ». On continue avec un prix spécial du jury pour Le Camus de Mona Azam, notre ambassadrice France du réseau, qui a reçu ce week-end le prix spécial du jury pour les Alpilles 2024. Autre prix, mais celui qui a été décerné à Magali Breton pour son œuvre de poétesse, puisqu'elle aura aussi le grand prix du jury 2024 de la Société des poètes et artiste de France. C'est une jolie poète avec une très belle plume, et ses livres sont toujours extrêmement bien illustrés par Muriel Pic, qui permet de lire à la fois une poésie sublime et puis d'avoir en face une photo magnifique qui illustre parfaitement bien ses écrits. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Si vous êtes parisien, vous avez peut-être reçu également le dépliant des bibliothèques de Paris qui va rendre hommage à Colette. Et bien, il se trouve que le poème mis en avant dans ce dépliant est signé Marie-Amélie Régal, donc une de nos membres depuis fort longtemps. Et ce poème, et bien, c'est une avant-première, puisque c'est le poème qu'elle a écrit pour le livre recueil sur Colette et ses chats qui va sortir dans quelques semaines aux éditions Rencontre des auteurs francophones. Donc voilà, à la fois Rencontre des auteurs francophones, ce recueil à venir et Marie-Amélie sont mis à l'honneur dans les bibliothèques parisiennes. Une pensée émue à présent pour Marie Calter, qui est membre d'honneur du réseau. Marie Calter qui a perdu sa Marianne, son épouse. C'est une histoire qui nous avait touchés, puisque Marie Calter était le premier amour de Marianne dans sa tendre jeunesse, et qu'elle l'avait retrouvée il y a peu et qu'ils s'étaient mariés il y a un peu plus d'un an. Marianne est partie, le grand amour de Marie Calter est parti il y a quelques semaines, et on a tous été extrêmement émus par cette perte. Vous avez pu suivre, ceux qui suivaient Marianne sur les réseaux sociaux ont pu suivre ce bel et grand amour. Donc voilà, c'est une nouvelle qui nous a tous attristés. C'était Marianne qui avait permis à Marie Calter de nous rejoindre sur Rencontre des auteurs francophones. Donc on pense à elle. Je suis sûre qu'elle s'occupe de Marek et de tous ceux qu'elle a aidés tout au long de sa longue vie. Et puis on va terminer avec les nouveautés de la bibliothèque. Je vous en présente 4, mais beaucoup sont arrivés. Je vais vous présenter Tueur en série de Pascal Dagg. Pascal Dagg a rejoint Rencontre des auteurs francophones il y a quelques semaines. Et il y a toute une série comme ça de livres tueurs en série qui fait froid dans le dos. Fabienne Chenet aussi nous a rejoint il y a peu avec la mise en avant de plusieurs romans, donc celui-ci, Ici et maintenant. Ça vient d'arriver aussi. Valérie Marouard, V. Marouard, vous la connaissez depuis longtemps, elle est depuis de longues années dans le réseau, et elle vient de sortir un tout nouveau livre qui s'appelle Mad, extrêmement bien illustré aussi, et je voulais vous le présenter. Il est arrivé il y a quelques jours vraiment sur les étagères des
différentes librairies de France et de Navarre. Un petit conte à rêver debout, qui est pour les adultes, ce conte. Il est signé Nicolas Levé et c'est un conte pour nourrir sa jeunesse intérieure et nous en avons fort besoin. Et comme tout conte qui se respecte, eh bien, il est très joliment illustré. Et puis je termine avec Zahi Haddad, que vous avez pu découvrir notamment au Salon du Livre de Monaco. Zahi Haddad, c'est cet auteur genevois d'origine libanaise et qui, avec ce roman Au bonheur de Yaya, signe un très joli roman sur cet Orient qui est le sien, qu'il a vu naître, qu'il a laissé et qui est en proie effectivement à une situation, le cher Liban, une situation bien difficile. Et donc voilà, c'est cette atmosphère que vous allez retrouver, c'est son Liban à lui, Au bonheur de Yaya. Je vous ai tout dit ou presque, on se retrouve la semaine prochaine, mais entre-temps on se retrouve tous les jours sur les réseaux sociaux pour l'actualité au quotidien et puis sur le site Rencontre des auteurs francophones. Je vous rappelle que les livres que je vous présente chaque semaine eh bien, font en plus l'objet d'une infolettre et qui sont disponibles dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Les départs sont quotidiens, donc n'hésitez pas à passer vos commandes. Bonne semaine.